Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, c'est une expérience sociale et je ne sais pas si ça a été fait ou pas. J'ai essayé de trouver des petites idées sympas pour des expériences, mais qui n'ont pas été faites. Donc, j'espère que celle-ci n'a pas été faite. Et du coup, le but, ça va être d'un petit peu tester votre sincérité, voire votre gentillesse, peut-être même. Et du coup, merci à Lalae1 pour la salutation. Gros bisous. Désolée, j'ai la voix du matin. Je viens de me lever il n'y a pas longtemps, tu vois. Je me suis dit, c'est le matin et je vais tester de faire une vidéo sans trop laguer. Et du coup, bah merci Lalae, gros bisous à toi, merci beaucoup pour ta salutation. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, bon, le look est déjà horrible de base, mais ce que je vais faire, en fait, c'est essayer de faire un personnage pas très très beau. Est-ce qu'on va aller dans la... On va peut-être aller dans la clinique beauté et on va essayer de se créer un nouveau genre de look. Un look en fait qui reste potable entre guillemets, mais qui n'est pas très très beau, pour voir un petit peu ce que les gens en pensent et leur demander s'ils me trouvent belle ou pas. On va voir si les gens vont plutôt dire oui c'est pas trop mon délire ou oui t'es trop belle juste pour être gentil avec moi. On va tester ça, je vais essayer de faire un look bof, vous allez voir ça. Et voilà ce que ça donne. Alors là, des personnes qui vont me dire oui mais ça passe comme look. Bah justement j'ai essayé de faire un look qui peut passer entre guillemets. Moi personnellement je le trouve pas très très beau. Bon en soi il est pas non plus horrible de chez horrible, mais vu que c'est le haut de base du jeu, tu vois, déjà j'ai une appréhension. J'aime pas ce haut là juste parce que c'est le haut de base et qu'il y a plein de monde qui l'a. Quoique en cette couleur ça peut passer encore. Avec un pantalon pâte d'œuf et des sortes de talons noirs et blancs. Pour les cheveux j'ai pris, bon les cheveux en soi sont pas moches, mais le rouge et le bleu ça va pas du tout ensemble avec le haut etc, avec le reste. Et au niveau du visage, c'est pas que les yeux là je les trouve moches, mais je me suis dit que ça allait pas du tout avec le reste du visage, avec un lipstick, un gloss noir et voilà. J'ai essayé de faire un truc assez, voilà, assez des choses qui vont pas les uns avec les autres, qui en soi peut-être seul avec un autre type de vêtements ça aurait pu aller, mais là pour le coup ça va pas très très du coup. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est ici, je vais mettre dans mon que fais-tu new look. On va faire j'aime trop, hein. J'aime trop, vous en pensez quoi? Comment on dit pour qu'on m'envoie un message en PV? Répondez en privé. En privé, marqué entièrement parce que je sais pas si tout le monde sait. Mais non, pas ça. J'ai essayé de faire le E accent, voilà. New look, j'aime trop, vous en pensez quoi? Répondez en privé. Alors les gens vont peut-être se dire, ouais c'est chelou qu'elle dit ça, mais vu que je l'ai jamais fait, je pense que ça peut passer. Donc new look, j'aime trop, vous en pensez quoi? Répondez en privé. Alors là, c'est horrible. Bah, dites-moi, pour ceux qui n'ont pas pu me répondre pendant cette expérience sociale en direct, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez tombé dans le panneau ou pas? Qu'est-ce que vous m'auriez répondu si vous pouviez m'envoyer encore un message en privé pour me répondre à ça, en fait? Premier petit message d'une simple look qui est trop chou, il est trop beau ton look, je l'adore, mais t'es trop belle, la quinzelle. Oh, merci, c'est trop chou. Alors ma chère Idaliaza, elle est trop chou, elle ose pas trop me dire, le look est je sais pas trop, mais ça va, c'est potable. Alors je pense qu'elle fait, voilà, elle aime pas, mais elle ose pas trop le dire, elle reste gentille, mais elle reste quand même honnête, hein. Merci beaucoup Idaliaza. Alors là, je pense que je suis un petit peu cramée, parce que juste avant de me répondre, tu filmes. Ton look il est spécial mais c'est beau, j'aime. Bon au moins elle dit que c'est spécial quoi, c'est vrai que c'est spécial hein, mais pourquoi pas. Bon rien à voir quand même avec l'expérience sociale, mais bon là là elle est trop mignonne. Elle voulait m'envoyer son ticket VIP et du coup... Oh mais c'est trop chou, mais garde-le. J'en ai en stock, bien sûr que j'en ai en stock. Et du coup, elle me l'a déjà envoyé, mais t'inquiète pas, là, je vais lui renvoyer quand même, parce que j'ai déjà des tickets VIP, c'est très gentil, hein, parce que je suis pas VIP. Et du coup, il y a pas mal de gens qui me demandent si je veux un ticket VIP. Vous êtes très mignons, vous êtes très gentils, mais vous inquiétez pas, je vais me remettre VIP très bientôt. D'ici quelques jours je pense, donc y a pas de soucis, mais merci, vous êtes trop chou. C'est pas ça que je vais faire, oui, pourquoi c'est pas ouvert, attendez. Ma fille qui ne sait pas ouvrir un ticket VIP, bonjour. Bah alors.
On va le renvoyer. Mais pourquoi les tickets sont des couleurs différentes? Renvoyer. Voilà, bah merci Larry, c'est trop chou. Et la Titika qui me répond à mon coucou, tu en penses quoi de mon new look? La fille trop forceuse a demandé à tout le monde qu'est-ce qu'ils en pensent de mon look. Il est super joli. Ce look est magnifique. On va lui faire un bisou. Ah, c'est trop chou. Oh non, garde-le, garde-le, ça me fait plaisir. Oh, c'est gentil, Lala. Et... on va la remercier. Mais elle est trop chou. Là, franchement, Miss Coral, franchement, MP, salut, Quinzel, et peut-être coucou YouTube. Donc je pense que je suis peut-être un petit peu grillée, hein, grillée comme un KFC. Bon, faut que j'arrête mes conneries. Ton look est trop beau, je peux te le copier, si tu veux pas, c'est pas grave. En tout cas, il est trop beau. Bah merci carrément, copier mon look, franchement. Ne fais pas cette erreur, Miss Coral. Mais on va, vu qu'on joue, on va lui dire coucou, merci. Bien sûr que tu peux. Je vais lancer une nouvelle mode avec un cœur et un bisou. Voilà. On revient au message d'Idaliasia qui m'a cramé effectivement avec son ça va c'est potable. Tu filmes, je le savais. Tu t'en sors avec toutes ces demandes d'amis parce que moi je savais qu'un cas d'abord je m'en sors pas. Alors oui, comme vous pouvez le constater, je m'en sors pas. En plus maintenant que je ne suis pas VIP en fait, du coup bah, je peux même plus accepter parce que mon max d'amis que je peux avoir en non VIP c'est de 800 amis. Et là effectivement non, je m'en sors pas, donc je te comprends Idaliasia, je te comprends. Arke, je te comprends. Je ne m'en sors pas. Ah, le chat il est en train de pousser mon clavier, c'est pas très... Oh, petit chat, c'est pas gentil. Et ben pour venir... Enfin non, je crois que je vous l'avais pas montré, mais j'ai envoyé un petit message à Loli. Tu en penses quoi de mon nouveau look? Parce qu'elle a été en train de dire « Oh, tu m'as accepté et tout !» Et du coup... bon, en plus, ça doit faire un petit moment que j'ai dû l'accepter, Loriline, parce que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas vraiment joué et que j'ai accepté personne depuis un petit moment, mais bon. En plus, tu me réponds, tu m'envoies des messages. Oh my god, je pleure de joie, ton nouveau look est trop stylé MDR avec le smiley. Donc je me demande si c'est le est trop stylé MDR en mode je me fous de toi, en fait c'est trop moche. Et merci pour l'autographe, je suis vraiment choquée quoi. Quinza, tu me parles pour de vrai, c'est vraiment toi. Je peux copier ton look, comme ça on est jumelles, c'est quand même la deuxième personne qui veut copier mon look. Bah écoute, tu peux copier le look, il n'y a pas de souci. Bah attends, on va le marquer. Oui. Attends, je vais créer le look. On va voir si les gens vont vraiment acheter ce look ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la création. Et qu'on va aller directement dans le look. Et qu'on va créer le look pour que les gens puissent directement l'acheter ici. Pour voir vraiment s'il y a des gens qui vont réellement l'acheter. Ou c'est genre du pipeau ou pas. Parce que franchement, moi je l'aurais pas acheté ce look. Hein, parce qu'il est vraiment pas beau du tout. Est-ce que je peux marquer directement sur OK? Ouais, je peux. Je vais marquer New Look by Quinzel. Ça fait genre très New Look. C'est genre un peu comme les pubs de Maybelline et tout, tu vois, de L'Oréal. New Look, bonjour. New Look by Quinzel, on va l'enregistrer. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent l'acheter, il n'y a pas de souci, hein, New Look by Quinzel, le nouveau look pour la rentrée scolaire, hein, n'hésitez pas, ça va être la nouvelle mode, vraiment, soyez en avant sur les autres, soyez en avant sur les autres et achetez ce nouveau look. Et on va même l'envoyer pour les votes tellement je suis fière de moi. Voilà, le look est créé. Bon, j'ai eu un petit coup de fil, mais au moins ça a permis à Loriline de, entre guillemets, finir le look. Donc je lui ai dit ok, elle a dit que la coupe je l'ai, donc je l'achète pas. Ok, donc c'est bon, on est les mêmes, même le visage. Alors on va aller vérifier ça, comment je peux vérifier ça pour que ce soit à jour, il faut que j'aille ici je pense. Je pense que dans son profil je verrai tout de suite à quoi elle ressemble, parce que là j'ai pas laissé charger la page. Ça a un petit peu de mal le game, oh mon dieu, donc oui, elle a le même look. À peu près le même visage, mais ouais, il y a quelques petites nuances, mais franchement, ça passe. Ah, j'adore.
Le look jumelle avec 15 ailes. Oh, on adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Même moi, j'adore. J'adore. Alors là, 15L, ça va. C'est quoi ce look? Pas c'est moche, mais je pense qu'elle voulait dire je sais pas, mais c'est moche. Enfin, un truc du genre comme ça. En tout cas, merci pour la franchise. Et juste en bas, je vois un message assez intéressant. Voilà, je suis le plus similaire possible. En fait, mon anniv aujourd'hui, je suis grave contente. J'ai eu une lampe licorne. Ah bah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Miss Coral. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai dépensé tous mes derniers diamants, mais il n'y a pas de souci. Sinon, ce soir, tu live. Alors, je sais pas, on verra aujourd'hui. Je sais que. Enfin, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, voilà. Donc, après, la vidéo sera postée un peu plus tard, mais voilà. En tout cas, effectivement, elle a mis le look là. Alors, quand même, on va faire un petit. Un petit récapitulatif. Il y a quand même deux personnes qui ont repris le look. Alors je sais pas s'ils l'ont acheté, je pense pas. Si, ils l'ont acheté directement d'ici, je pense. Regardez, il y a eu deux achats. Il y a eu deux achats quand même. Magnifique ma chérie, magnifique. Oh mon dieu, mais... Oh, vous êtes trop mignonne. Qu'est-ce que t'as mon chaton? J'ai mon chien, il est juste à côté, il est en train de râler. Parle-moi à Kerzel. Ah non, il n'y a pas d'autres messages. Mais voilà, petit conseil quand même des personnes qui ont acheté le look, des personnes qui ont été très gentilles en me disant que c'est quand même un joli look, d'autres qui ont été un peu plus mitigées. Enfin bref, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, ok, merci le chat qui appuie sur les touches. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette expérience sociale. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao.